Était-ce un craquement de brindilles? Dixon se retourna et crut voir une forme sombre disparaître dans les broussailles. Immédiatement, il se figea, fouillant du regard les arbres au tronc vert. Le silence était total, un silence plein de menaces. Très haut dans le ciel, un oiseau charognard planait sur une ascendance, surveillant le paysage brûlé de soleil, attendant et espérant. Puis Dixon perçut une sorte de toux basse et impatiente provenant des taillis. Il savait maintenant qu'il était suivi. Avant, ce n'était qu'une impression. Mais ces silhouettes vagues, à demi entrevues, étaient donc bien réelles. Elle l'avait suivi tout au long de sa marche vers la station de signalisation, sans se manifester, mais aussi sans cesser un instant de le guetter. Maintenant, elles étaient prêtes à tenter quelque chose. Il retira l'arme de son étui, vérifia l'écran de sûreté, la remit à sa place et poursuivit sa marche. Il perçut une autre toux. On le suivait patiemment. On attendait qu'il eût quitté les taillis pour pénétrer dans le sous-bois. Dixon eut un sourire. Il ne craignait rien. Il possédait l'arme. Sans elle, il ne se serait jamais aventuré aussi loin de son vaisseau spatial. C'était la dernière chose à faire que de se promener ainsi sur une planète inconnue. Mais pour Dixon, c'était différent. Sur sa hanche se trouvait l'arme absolue, une assurance totale contre tout ce qui marchait, rampait, volait ou nageait. C'était le dernier cri de la technique en matière d'armes portatives, l'arme suprême, absolue, totale, l'arme avec un grand A. Il se retourna de nouveau. Les bêtes étaient là, à moins de 50 mètres derrière lui. À cette distance, elles ressemblaient à des chiens ou à des hyènes. Elles toussaient en le regardant et s'avançaient avec lenteur. Il saisit l'arme, mais se ravisa, décidant de ne pas en faire immédiatement usage. Il aurait tout le temps nécessaire lorsqu'elles se rapprocheraient. Alfred Dixon était un homme de petite stature, aux larges épaules, à la poitrine profonde. Il avait les cheveux blonds et une moustache également blonde dont les pointes se terminaient par une boucle. Cet ornement pileux donnait à son visage basané un aspect à la fois franc et féroce. Son habitat naturel était les bars et tavernes de la Terre. Là, vêtu de kaki taché, il pouvait commander des consommations d'une voix agressive et transpercer les autres buveurs de l'éclat bleu acier de ses prunelles. Il adorait expliquer à ses collègues en beuverie, sur un ton quelque peu dédaigneux, la différence entre un lance-fléchette Sykes et un Colt 3 points, entre l'Adlepper cornu de Mars et le SCOM vénusien. La conduite à suivre lorsqu'un Horn Tank ranaréen s'apprête à vous charger dans la savane épaisse, ou la façon de repousser une attaque de Glitterhufflitz volant. Certains considéraient Dixon comme un fanfaron, mais ils avaient grand soin de ne pas exprimer leurs pensées. D'autres pensaient que c'était un brave homme, en dépit de l'opinion, par trop avantageuse, qu'il avait de lui-même. Il souffrait d'un excès de confiance, expliquait-il. La mort ou la mutilation se chargerait bien de corriger ce défaut. Dixon attachait une importance primordiale à l'armement personnel. À son avis, la conquête de l'Ouest américain n'avait été que le résultat de la confrontation entre arcs et flèches et Colt 44. L'Afrique, la sagaie contre le fusil. Mars, le Colt 3 points contre le couteau de jet. Les bombes H avaient rasé les villes, mais c'était les hommes avec leurs armes individuelles qui avaient occupé le territoire. Pourquoi rechercher de fumeuses raisons économiques, philosophiques ou politiques
lorsque tout était tellement simple. Il avait bien entendu une confiance totale dans l'arme. Se retournant une fois de plus, il constata qu'une douzaine de créatures d'allure canine s'étaient jointes aux trois premières. Elles marchaient maintenant à découvert, la langue pendante, gagnant peu à peu du terrain. Dixon décida d'attendre encore un peu avant d'ouvrir le feu. L'effet du choc n'en serait que plus grand. Il avait exercé bien des métiers dans sa carrière. Explorateur, chasseur, prospecteur, découvreur d'astéroïdes. La fortune semblait toujours lui échapper. D'autres avaient découvert la cité perdue, abattu l'animal rare, trouvé le cours d'eau charriant des pépites. Il acceptait joyeusement son sort. La chance n'était pas de son côté, mais qu'y faire? Maintenant, il était technicien radio, et son travail consistait à assurer l'entretien des stations de signalisation automatique sur une douzaine de mondes inoccupés. Mais, chose importante entre toutes, il allait pour la première fois essayer sur le terrain l'arme absolue. L'inventeur de l'engin espérait que l'arme serait ensuite construite en série pour être mise en toutes les mains. Dixon espérait qu'elle deviendrait son outil favori. Il avait atteint la lisière de la forêt des pluies. Son vaisseau se trouvait à quelque 3 kilomètres en avant, dans une clairière. Lorsqu'il pénétra dans l'ombre lugubre du sous-bois, il entendit le caquetage surexcité des arboréales. Ils étaient colorés d'orange et de bleu, et le surveillaient attentivement, du haut des arbres. Décidément, l'endroit rappelait étrangement l'Afrique, pensa Dixon. Il espérait rencontrer du gros gibier, afin de pouvoir rapporter une ou deux têtes en guise de trophée. Derrière lui, les chiens sauvages s'étaient rapprochés, à une vingtaine de mètres. Ils étaient gris et bruns. Leur taille était celle de terriers avec des mâchoires d'hyène. Certains d'entre eux s'étaient enfoncés dans les taillis et prenaient de l'avance sur lui pour lui couper la retraite. Le moment était venu de faire parler l'arme. Dixon dégaina. L'arme avait la forme d'un pistolet, mais elle était très lourde. D'autre part, elle était assez mal équilibrée. Les constructeurs avaient promis de réduire le poids et d'améliorer la crosse dans les modèles suivants. Mais Dixon la trouvait à sa convenance, telle qu'elle était. Il l'admira un instant, puis dégagea le cran de sûreté et la régla pour le tirer coup par coup. La harde s'avançait sournoisement vers lui, toussant et grognant. Dixon visa et tira. L'arme émit un léger bourdonnement. Devant lui, sur une distance d'une centaine de mètres, une portion de forêt s'évanouit, tout simplement. Dixon avait actionné le premier désintégrateur. Émergeant d'un canon d'un calibre légèrement supérieur à 2 cm, le faisceau destructeur s'était élargi à un diamètre maximum de 4 mètres. Une section conique, haute d'un mètre et d'une cinquantaine de mètres de long, s'était creusée dans la forêt. À l'intérieur, rien ne subsistait. Arbres, insectes, plantes, chiens sauvages, papillons, tout avait disparu sans laisser de traces. Les branches des arbres qui formaient la voûte de feuillage forestière semblaient avoir été tranchées par un rasoir géant. Dixon estima qu'il avait volatilisé au moins 7 bêtes dans la déflagration. Et cela en moins d'une demi-seconde. Aucun problème de dérive ou de trajectoire comme dans le revolver classique. Nul besoin de recharger, car l'arme avait une capacité de 18 heures de fonctionnement continu. Une arme parfaite. Il reprit sa marche et replaça l'engin dans sa gaine. Le silence régnait. Les créatures de la forêt assimilaient cette expérience nouvelle. Les arboréales orange et bleu,
sautait de branche en branche, dans les feuillages au-dessus de sa tête. Dans le ciel, l'oiseau charognard avait piqué vers la terre, et d'autres volatiles, aux ailes noires, accouraient du ciel lointain pour se joindre à lui. Cependant, les chiens sauvages toussaient toujours dans les taillis. Ils n'avaient pas encore renoncé. Dixon les entendait glisser dans les profonds feuillages tout autour de lui, se déplaçant avec rapidité, tout en se maintenant hors de sa vue. Il dégaina de nouveau son arme, se demandant s'ils oseraient renouveler leur attaque. Ils osèrent. Un chien gris tacheté jaillit d'un buisson derrière lui. L'arme bourdonna. Le chien s'évanouit en plein vol, et les arbres frissonnèrent légèrement sous l'effet de l'air aspiré par la dépression soudaine. Un autre chargea, et Dixon le désintégra à son tour, en fronçant légèrement les sourcils. Ces bêtes ne pouvaient pas être stupides. Pourquoi ne tiraient-elles pas la leçon de l'expérience? Pourquoi ne comprenaient-elles pas qu'il était impossible de lutter contre lui et son arme? Dans toute la galaxie, les créatures avaient appris rapidement à se défier d'un homme armé. Pourquoi celle-ci demeurait-elle rétive? Sans avertissement, trois chiens bondirent de trois directions différentes. Dixon enclocha le tir à répétition et les faucha d'un geste de moissonneur. La poussière tourbillonna en se précipitant dans la dépression. Il tendit l'oreille. La forêt paraissait pleine du bruit d'innombrables toux. D'autres hardes accouraient pour se joindre à la curée. Pourquoi ne comprenait-il pas? Soudain, la lumière se fit en lui. Il n'apprenait pas parce que la leçon était trop subtile. L'arme désintégrait silencieusement, rapidement, proprement. La plupart des chiens atteints s'évanouissaient, tout simplement. Pas de cri d'agonie, pas de rugissement, ni de hurlement. Et par-dessus tout, il n'y avait nulle détonation pour les faire sursauter, nulle odeur de poudre, pas le moindre cliquetis d'une nouvelle cartouche entrant dans la culasse. Peut-être ne sont-ils pas assez intelligents pour comprendre qu'ils ont affaire à une arme de mort, pensa Dixon. Peut-être ne se sont-ils même pas rendus compte de ce qui se passait. Ils s'imaginent probablement que je suis sans défense. Il accéléra son allure dans la pénombre du sous-bois, tout en se rassurant à la pensée qu'aucun danger ne le menaçait. Et si les animaux ne se rendaient pas compte qu'ils avaient devant eux une arme de mort, cela ne changeait rien à la réalité. Néanmoins, pour les nouveaux modèles, il exigerait une détonation bruyante. La chose ne devait pas présenter de difficulté. Et le bruit est toujours rassurant. Les arboréales s'enhardissaient de plus en plus, descendant presque au niveau de sa tête en découvrant leurs crocs. Ils étaient probablement carnassiers, pensa Dixon. L'arme réglée pour le tir automatique, il découpa de larges ouvertures dans la voûte de feuillage. Feuilles et petites branches s'abattirent en pluie. Les chiens eux-mêmes furent momentanément impressionnés et s'enfuirent devant la grêle de débris. Dixon sourit intérieurement, juste avant de s'abattre. Une grosse branche détachée d'un arbre venait dans sa chute de le frapper à l'épaule. L'arme s'échappa de sa main. Elle atterrit 3 mètres plus loin, toujours en tir automatique, désintégrant des arbustes à quelques mètres devant lui. Il se dégagea de la branche et bondit vers l'arme, mais un arboréal la saisit le premier. Dixon se jeta à plat ventre, la face contre terre. L'arboréal, poussant des cris de triomphe, faisait tourner le désintégrateur autour de sa tête. Les arbres géants, sectionnés en un éclair, s'abattirent à grand fracas sur le sol de la forêt. Un pinceau du désintégrateur entama l'arbre tout proche de Dixon et creusa le sol
à quelques dizaines de centimètres de ses pieds. Il s'écarta d'un bond. Le faisceau, au passage suivant, frôla son crâne. Il avait renoncé à tout espoir. Mais, à ce moment, la curiosité s'empara de l'arboréal. Caquetant gaiement, il retourna l'arme et s'efforça de jeter un regard dans le canon. La tête de l'animal s'évanouit aussitôt, en silence. Dixon comprit que le moment était venu de profiter de sa chance. Il s'élança, franchit une tranchée d'un bond et récupéra le désintégrateur avant qu'un autre arboréal eût pu s'en saisir. Il coupa le tir automatique. Plusieurs chiens étaient revenus à la charge. Il le surveilla avec attention. Dixon n'osait pas encore se remettre à tirer. Ses mains tremblaient tellement que le danger eût été plus grand pour lui-même que pour les chiens. Il fit demi-tour et s'avança en trébuchant dans la direction du vaisseau. Les chiens le suivirent. Mais l'homme retrouva rapidement son sang-froid. Il regarda l'arme luisante qu'il tenait à la main. À présent, il éprouvait à son égard beaucoup plus de respect et une certaine crainte. Certainement plus que n'en ressentaient les chiens. Apparemment, il ne faisait aucun rapprochement entre les dommages causés à la forêt et le désintégrateur. Ils avaient dû prendre l'événement pour un orage soudain et violent. Mais l'orage terminé, on reprenait la chasse. Il se trouvait actuellement dans d'épaisses broussailles, tirant devant lui pour s'ouvrir un chemin. Les chiens marchaient, de part et d'autre, réglant leur progression sur la sienne. Il tirait continuellement dans le feuillage, anéantissant un chien de temps en temps. Ils étaient au nombre de plusieurs douzaines, le pressant étroitement. « Tonnerre de sort !» pensa Dixon. « Ne font-ils donc pas le calcul de leur perte ?» Puis il réfléchit qu'il ne savait probablement pas compter. Il continuait à progresser. Maintenant, il ne se trouvait plus bien loin du vaisseau spatial. Un gros tronc d'arbre se trouvait sur son passage. Il l'enjamba. Le tronc d'arbre s'éveilla furieusement à la vie et ouvrit d'énormes mâchoires directement sous ses jambes. Il tira à l'aveuglette, appuyant sur la détente pendant 3 secondes et ratant de peu ses propres pieds. L'animal disparut. Dixon chancela et glissa, les jambes en avant, dans la fosse qu'il venait de creuser. Il atterrit lourdement, en se tordant la cheville gauche. Les chiens cernèrent le trou, grondant et aboyant dans sa direction. « Du calme !» se dit Dixon. En 2 coups de son arme, il fit place nette sur les bords de la fosse et essaya de se hisser au dehors. Les bords de l'excavation étaient trop abrupts et avaient été vitrifiés par la déflagration. Frénétiquement, il renouvela sa tentative à plusieurs reprises, dépensant ses forces sans compter. Puis il s'arrêta et se contraignit à réfléchir. L'arme l'avait fait choir dans ce trou. Elle pourrait bien l'en sortir. Cette fois, il tailla une rampe en pente douce et il émergea de la fosse en claudiquant péniblement. Il pouvait à peine prendre appui sur sa cheville gauche et son épaule le faisait encore plus souffrir. « Cette branche a dû la casser, » pensa-t-il. Se servant d'une autre branche en guise de béquille, il poursuivit sa route. À plusieurs reprises, les chiens revinrent à la charge. Il les désintégra. L'arme se faisait de plus en plus lourde dans sa main. Les oiseaux charognards descendirent pour festoyer sur les carcasses qui semblaient découpées au rasoir. Dixon sentit la faiblesse assombrir sa vue. Il lutta pour repousser l'étourdissement. Ce n'était pas le moment de s'évanouir, alors qu'il était cerné par les chiens. Le vaisseau était en vue. Il voulut s'élancer au pas de course. Mais il tomba, évidemment. Quelques-uns des chiens étaient déjà sur lui. Il tira, les coupant en deux,
et sectionnant également une tranche de 2 cm dans son soulier, au ras de l'orteil. À grand-peine, il se redressa et reprit sa route. « Quelle arme terrible » pensa-t-il. « Dangereuse pour tout le monde, y compris pour celui qui la maniait. » Il aurait voulu tenir l'inventeur dans sa ligne de mire. « A-t-on idée d'inventer un pistolet silencieux ?» Il parvint au vaisseau. Les chiens l'entouraient, tandis qu'il s'efforçait d'ouvrir le sas. Dixon désintégra les deux bêtes les plus proches et s'engouffra à l'intérieur. Les étourdissements le reprenaient une fois de plus et il sentit une nausée lui monter à la gorge. D'un dernier effort, il referma la porte du sas et s'assit. Sauvé, enfin. C'est alors qu'il entendit la toux basse. Il avait enfermé l'un des chiens avec lui. Il crut un moment qu'il ne pourrait soulever le lourd pistolet. Il y parvint cependant. Le chien, à peine visible dans le vaisseau faiblement éclairé, bondit vers lui. Pendant une seconde d'affreuse angoisse, Dixon crut qu'il n'aurait pas la force d'appuyer sur la détente. Le chien était déjà à sa gorge. Ce fut par pur réflexe qu'il crispa le doigt. Le chien poussa un aboiement, puis ce fut le silence. L'homme perdit connaissance. Lorsqu'il revint à lui, il demeura immobile pendant longtemps, savourant l'exaltante sensation d'être vivant. Il allait se reposer pendant quelques minutes, puis il partirait, disant un adieu définitif à toutes ces planètes étrangères pour retrouver la Terre et ses chères barres. Là, il prendrait une glorieuse cuite et irait ensuite retrouver cet inventeur et lui enfoncerait sa maudite arme dans la gorge. Seul un maniaque de l'homicide était capable d'inventer un pistolet silencieux. Mais cela, ce serait pour plus tard. Pour l'instant, il jouissait du plaisir d'être vivant, d'être étendu dans le soleil. Le soleil, à l'intérieur d'un vaisseau spatial. Il se redressa. À ses pieds gisait la queue et une patte du chien. Au-delà, il apercevait un curieux zigzag, découpé dans le flanc du vaisseau. Il avait environ 10 cm de large, sur 1,20 m de long. Et c'est par cette brèche que pénétrait le soleil. Au dehors, 4 chiens étaient assis sur leur arrière-train, regardant ce qui se passait à l'intérieur. Il avait percé son vaisseau spatial en désintégrant son dernier chien. Puis, il aperçut d'autres brèches dans l'appareil. Comment était-ce possible ? Ah, oui, les 100 derniers mètres qu'il avait parcourus en livrant bataille aux animaux. Il avait dû toucher l'appareil à quelques reprises. Il se leva pour examiner les brèches. « Du travail bien fait » pensa-t-il, avec le calme qui accompagne parfois l'hystérie. « Mais oui, messieurs, du beau travail, en effet !» Voici des câbles de commande coupés. Voici l'endroit où se trouvait la radio. Ici, il avait réussi à volatiliser d'un seul coup les réservoirs d'eau et d'oxygène. Un beau carton, en vérité. Et puis... Oui, en effet. D'un coup magistral, il avait coupé les tuyaux d'alimentation en carburant. Et le dit carburant, obéissant aux lois de la pesanteur, avait formé une flaque tout autour de l'appareil et s'était enfoncé dans le sol. Pas mal pour un gaillard qui ne savait même pas ce qu'il faisait. Je n'aurais pas mieux fait avec un chalumeau. En réalité, il n'aurait pas pu exécuter un semblable travail au moyen d'un chalumeau. Les coques des vaisseaux spatiaux étaient trop résistantes, mais sûrement pas assez pour cette chère petite arme absolue qui ne manquait jamais son coup. Un an plus tard, comme Dixon n'avait pas donné de ses nouvelles, un vaisseau fut envoyé sur place. Il s'agissait de donner au malheureux une sépulture décente, si toutefois on parvenait à découvrir ses restes, et à récupérer le prototype de désintégrateur,
si la chose était possible. Le vaisseau de secours se posa à proximité de l'appareil de Dixon, et l'équipage examina avec intérêt la coque endommagée. « Il y a des gens qui ne savent pas se servir d'un pistolet !» dit le mécanicien. « Vous l'avez dit !» répondit le chef pilote. Des coups réguliers se faisaient entendre du côté de la forêt des pluies. Ils se dirigèrent dans cette direction et découvrirent que Dixon n'était pas mort. Il était au contraire tout ce qu'il y avait de plus vivant et chantait en travaillant. Il avait construit une cabane de bois et tout autour il avait aménagé un jardin potager. Celui-ci était clos par une palissade. Dixon était en train d'enfoncer un pieu à grands coups de marteau pour remplacer l'ancien qui était pourri lorsqu'apparurent les visiteurs. Comme on aurait pu s'y attendre, l'un des hommes s'écria « Vous êtes vivant !»« Et comment ?» s'écria Dixon. « Ça a été un jeu de pile ou face avant que j'aie construit cette palissade. Sale bête, ces chiens, mais je leur ai appris le respect !» Dixon sourit et indiqua un arc appuyé à la palissade à portée de la main. Il avait été taillé dans un morceau de bois flexible. Tout près se trouvait un carquois plein de flèches. « Ils ont appris le respect !» dit Dixon, en voyant leur congénère s'enfuir avec une flèche dans les côtes. « Mais l'arme ?» interrogea le chef pilote. « Ah ! L'arme !» s'exclama Dixon, avec une lueur malicieuse dans les yeux. « Sans elle, je n'aurais pas pu survivre !» Il reprit son travail, enfonçant le pieu dans le sol à l'aide de la crosse lourde et plate de l'arme. Robert Sheckley, L'arme absolue.